Et on va faire non. On fait une forme, c'est qu'on fait son coup. Fonce au milieu. Le pas du milieu. Mais en fait, la traduction, encore une fois, c'est très bien. On parle de la musculature. Quand on parle avec Jean-Mi, avec les petits trafimes, on ne traduit pas littéralement une langue étrangère. Parce qu'il y a des expressions, je vous avais donné cette image, si vous dites, oh, je suis fatigué, j'ai les jambes coupées. Vous traduisez ça littéralement à un chinois ou à un autre, il regarde les jambes. Pourquoi vous faites à couper. Mais c'est bien, c'est parce qu'on traduit littéralement. Il faut trouver une expression qui soit similaire à la langue originale. Donc, c'est la traduction finalement de la langue originale dans une langue autre. Ou une adaptation. Il faut le même phraser. Enfin, ça répond à des contraintes. On a l'impression que c'est facile, il suffit de traduire. Trouver les expressions et suffisamment de lettres pour décrire, pour dire, et en même temps pas trop. Parce que si, je ne sais pas, dans une langue, imaginons qu'on dit tinka-taka, et puis d'un seul coup, en français, c'est 6 pages, pour 3 sons, il y a un problème. Hein. Il faut finir la donc, son coup, quand on avance, c'est toujours la technique avancée. La jambe arrière, on la ramène à la hauteur du talon. Donc, sur l'axe, sur notre axe, sur les deux rails, on ne ramène pas le pied comme ça. Oui, c'est pas une ligne. C'est 1, 2, à la hauteur du talon, on va prendre le pied. Ici. D'accord. Et quand on plie, le genou est à la hauteur de la jambe. Ouais. Ça, c'est la norme. Des variations d'un pied à l'autre. Et globalement, c'est ça. Ça, c'est la norme académique. 1, pousser. Quand on a poussé au maximum, on libère cette jambe, on avance. Comment on peut avancer? On dépasse de quelques centimètres le genou de l'axe de la pointe du pied pour pouvoir libérer la jambe. D'accord? Et je reste en reste. Quand je pose, je ne pose pas comme ça. Quand je pose, en fait, il y a une rotation qui s'induit tout de suite, qui est tourne à 45 degrés, qui emmène tout l'axe de la jambe, qui emmène la hanche et la talon. Donc c'est 1, je m'assois en même temps, je profite pour m'asseoir, et de décaler d'un demi-pas. Donc deux demi-pas et bien un pas. C'est pour ça que je dis avancer avec précaution. Je ne fais pas un pas franc, je fais deux demi-pas. Donc j'avance, là c'est un demi-pas, je m'assois et je décale. Comment j'avance? Je ne fais pas ça. Hein? Là où est ma pointe de pied, je ploie, toujours pareil. En fait, c'est une combinaison de plusieurs pas finalement. Ça. Change tout, avancer et tout, il faut reculer. Parce que quand je suis ici, je descends, je lève, et ça me permet de décoller et d'avancer. Et je m'en passe. Tout le passage en arrière. Descendre, pousser. Avancer, poser, décaler. Donc en fait, c'est avant, milieu, descendre, avant, poser, avancer. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. Donc, on va aller voir. Ouais, partez directement avec mon cou là. Ouais, mon cou, on va avancer en arrière, on s'assoit, on décale. Et on pousse. Donc on descend, on pose le talon, on déploie la posture, et on va. Voilà, regardez mon bout. Hein. Ça va pousser bien à fond de ton bout. Hein. Voilà, en fait, tu es bien coupé et ça permet d'avancer sans se poser. Mettez les mains sur le ventre. Mettez les mains au ventre, c'est la même chose. Et respirez. Et là, je me sens le souffle court. Hein. C'est vraiment. Hein, comme quand vous nagez, vous respirez comme ça. Parce que sinon, vous n'allez pas faire de longueur. Hein. C'est bon. Ah, respirez profondément. Surtout quand vous êtes fatigué. Poussez bien sur la jambe arrière. Y a un terme.
aussi la sensation. Ouais. Vraiment la sensation à dire qu'on a développé comme ça. Quand on est à l'écoute de son corps, hein, et vraiment d'avoir ce sentiment, on sent chaque muscle, chaque articulation qui concourt à réaliser le mouvement. Et attention, vous êtes sur deux rails, je crois. Vous avez tendance à rapprocher les pieds. Vous faites du strabisme du pied. Je louchais les pieds. Jean-Pierre, manger des plats sains.